chaîne Les Passions d'Isabelle, je suis très très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter ma petite collection de parfums. Voilà, j'en ai pas mal. Alors oui, en majorité c'est des parfums Knox, c'est vrai que je les aime beaucoup, mais j'en ai quelques-uns qui ne sont pas de cette marque-là, donc je vais vous montrer tout ça. J'espère que la vidéo vous plaira. Si ce style de vidéo ou ma chaîne vous plaît, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me fera super plaisir. À mettre le petit commentaire, le petit pouce bleu en l'air. N'oubliez pas également de sélectionner la cloche pour être informé de mes nouvelles vidéos. Voilà, c'est parti. On y va. Je vais d'abord commencer par les parfums de chez Action. Il m'en reste deux. Alors, je ne sais pas si on les trouve actuellement, mais voilà, moi j'avais pris ces petits parfums que je vous montre. C'est la maison du parfum. C'est fait en France. Alors, il y en avait de plein. Moi, j'avais pris un bleu et j'ai un violet. Il y en avait un que j'avais terminé. Franchement, c'est des petits parfums qui sentent hyper bon si vous les retrouvez. Voilà, je vous montre le flacon, comment il est, voilà, c'est sobre, c'est dans la salle de bain, c'est très très joli, c'est un flacon vaporisateur, et franchement, je vais en remettre un petit peu, ouais, c'est frais, voilà, pour un parfum à mettre tous les jours, franchement, il sentait super bon, et franchement, à tout petit prix, hein, je pense que ça, c'était à moins de 4 euros, bon, j'ai plus le souvenir des prix, mais c'était pas cher du tout et franchement il sent super bon. Donc celui-ci c'est musc et santal et l'autre iris et patchouli. Franchement à cette époque, ça fait déjà un petit moment que je les ai, ils avaient plein de coloris de flacons. Ah celui-ci sent bon aussi, ouais. Ah que je vais mettre quand même un de ces jours. Ouais, celui-ci sent très bon aussi. C'est vrai que à Action, souvent, ils ont des petits prix dans les parfums. Après, voilà, ça dépend de ce que vous aimez, mais franchement, ils étaient top, ceux-là. Et malheureusement, bah, je pense qu'on les trouve plus. C'est comme les brumes, hein. Les brumes, elles sont pas chères. Ça va très bien quand vous sortez de la douche pour vous parfumer. L'odeur, elle reste un tout petit peu. Puis bon, bah, après, ça s'en va. Mais franchement, pour le prix, elles sont top, hein. Donc ensuite, ce que j'avais, c'était ce parfum-ci, Eva Flore Paris. Alors, le flacon est très très joli. Alors, par contre, celui-ci, je suis incapable de vous dire, voilà, on a un nœud dessus. Je suis incapable de vous dire d'où il vient. Je ne me rappelle plus. Il y a marqué « Je t'aime » pour eux, on dirait. Et c'est Eva Flore Paris. Alors celui-ci, par contre, il sent très bon, mais c'est un parfum plus pour l'hiver, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, plus pour l'hiver quand même, ce parfum-ci. Et bon, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas mis, parce que je vous avoue que bah, je ne mets que des parfums Knox maintenant. Donc voilà, il faudra que je m'y mette aussi de temps en temps. Mais c'est plus un parfum pour l'hiver, parce qu'il est beaucoup plus fort en odeur. Après, vous dire ce que je sais pas trop, mais il sent bon. C'est le style de parfum que j'aime bien. Mais c'est vrai que voilà, depuis que j'ai découvert les parfums Knox, je mets que de ça. Donc, j'ai des petits échantillons. Enfin, un petit échantillon, j'en ai qu'un seul. Hein. Il vient, c'est la marque Jimmy Choo. J'ai dû l'avoir, je pense, à Sephora. C'est une autre parfum. C'est I Want Chou. Voilà, c'est un petit échantillon comme ceci. J'en ai pas beaucoup, hein, j'ai que ça. Voilà, j'en ai pas d'autres. Et vous voyez, je ne l'ai même pas ouvert. Écoutez, on va quand même l'ouvrir. Au moins, on verra ce que ça sent. Donc, voilà le petit échantillon, un petit vapeau. Je vais être parfumé de partout. Oui, c'est pas mal. Ouais, c'est une odeur qui me plaît. Bon, s'il y en a qui connaissent, voilà, le I Want Chou. Ouais, écoutez, c'est pas mal. Pas mal comme petit parfum. Donc, pour ça. Ensuite, comme autre échantillon, donc ça, je crois, on l'a eu dans les box. Ouais. Il y a celui-ci, le Juliette Has a Gun.
Alors, c'est le Ego Stratis. Donc ça aussi, c'est pas mal. Je l'avais essayé. Là, vous voyez quand même, on a un petit flacon quand même assez grand. Alors, je ne sais pas si on a la contenance dessus. En tout cas, je la vois pas. Donc, ça doit être marqué dans le petit carton. Ensuite, ça, c'est Nox. C'était un cadeau. C'était le parfum Nox, le 446, pareil. Et ça, c'est un roll-on, par contre. Bah, ça, pourquoi pas quand on part en voyage, c'est plutôt pratique, hein, vous le mettez ici, sur les poignets, au lieu d'emmener votre vapeau qui risque de se casser, pourquoi pas emmener un petit roll-on comme ceci. Et le dernier, alors, oui, c'est pareil, hein, c'est en roll-on aussi. Ça sent bon aussi, il sent très très bon. Et c'est fleur de coton et c'est Solinote. Il me semble que la marque c'est Solinote et le parfum c'est fleur de coton. Ça sent bon aussi, hein. Oui, ça sent bon. Écoutez, je pense hein, peut-être que je vais voir. Je vais voir quand je vais partir en vacances si je n'emmène pas les petits roll-on à la place. Ça peut être intéressant. Ensuite, eh ben, ce sont que des parfums Nox, donc je vais vous montrer ce que j'ai, parce que je commence à en avoir une belle collection. Je vais commencer par celui-ci, donc les parfums Nox, c'est toujours le même contenant, vous voyez, je vous montre. Ce sont des bouteilles comme ceci. Nox, c'est une marque espagnole, voilà, ce sont des bouteilles comme ceci. Donc ça, c'est le 50 ml, ça, c'est le 30 ml, et je vais vous montrer le 100 ml comment il est, ça va vous donner une idée, je reviens tout de suite. Voilà, je vous montre. Vous voyez la différence? 50, 100 ml. Vous voyez, 50 et 100 ml. Donc là, le flacon est beaucoup plus grand. Mais vous voyez, les flacons ont toutes la même. Ils sont tous faits comme ça. Il n'y a aucune différence. Donc voilà. Alors celui-ci, je vais vous dire, c'est le 479. Donc tous les flacons ont des numéros. Et il s'inspire, alors c'est un parfum de Carolina Herrera. Je ne saurais pas vous dire le nom exact, puisque ça c'est un parfum pour offrir. Voilà. Il sent bon aussi, mais c'est pas ce que j'aime en parfum. Donc en tout cas, le flacon de 100 ml est pas mal. Le flacon de 100 ml. C'est à 25 euros environ. Voilà, donc si vous les prenez en plus avec des réductions, bah ça vous fait votre commande moins chère. Donc j'ai celui-là. Donc ensuite j'ai celui-ci, le 038, qui s'inspire du Paris d'Yves Saint-Laurent. Il sent très très bon celui-là, franchement. Je connaissais pas, hein. J'ai pris au hasard ça aussi. Donc là c'est un 30. Vous voyez, c'est un 30 ml, ça. Mais il sent très très bon, mais plus un parfum hiver, printemps, vous voyez, automne par exemple, mais pas trop. Et je trouve qu'il est un petit peu trop pour l'été, quoi. Mais il sent très très bon. Là. Ensuite, alors je les marque, hein, parce que je marque sur le flacon ce que c'est, parce qu'après je m'en rappelle plus. Donc celui-ci, c'est un parfum que j'ai pris plusieurs fois et qui s'inspire, donc c'est le 491, et il s'inspire du Chance Eau de Fraîche de Rochas. Donc celui-ci, il sent très très bon aussi, hein. Franchement, ouais, il sent très bon, très frais aussi. C'est un parfum frais. C'est un peu dans les eaux de Lancôme ou de Rochas, voyez, c'est un peu le même style. Mais ça sent très très bon. Donc là, je n'ai pas gardé les cartons. Ensuite, on a alors le numéro 100. Le numéro 100 qui s'inspire du Oh Oui de Lancôme. Ah, celui-ci aussi sent très très bon. Très frais, très très bon. C'est les parfums que j'aime beaucoup. Ouais. Il sent trop trop bon. Ça, celui-ci, je le mets souvent le matin pour aller au boulot, franchement. Il sent trop trop bon, ce parfum-là.
trop trop bon. Donc n'oubliez pas, hein, j'ai toujours mon code promo, mon code de parrainage qui est Isabelle, qui vous donne droit là, en ce moment à moins 15% de réduction sur la commande. Hein. N'hésitez pas à commander, franchement, je les adore. Ça sent très bon. Ensuite, j'ai donc le 407. Alors le 407, c'est un Escada. Alors je ne sais plus lequel, mais c'est un Escada. Celui-ci aussi, je l'ai commandé plusieurs fois. Il s'inspire d'un parfum d'Escada. Il sent très très bon aussi. C'est des parfums un petit peu, comment dire, des îles lointaines, voyez, un petit peu comme ça. Ça sent trop bon, vraiment. Il sent trop bon celui-là. Celui-ci, je l'avais commandé plusieurs fois. Alors, celui-ci, c'est un parfum mixte, parce que Knox, pardon, font des parfums mixtes. Vous voyez, le bouchon n'est pas le même. Pour femmes, c'est bouchon comme ça. Et mixte ou homme, ce sont le flacon, le bouchon est argenté. Donc celui-ci s'inspire du Neroli Portofino de Tom Ford. Alors celui-ci, il pourrait vous surprendre. C'est vrai que moi, lorsque je l'ai essayé en le recevant, ça fait au début très parfum masculin. Mais l'odeur s'atténue au bout d'un moment et ça va. Mais c'est vrai que lorsque je l'ai acheté puis que je l'ai testé, ça fait vraiment parfum masculin, quoi. Mais voilà, une fois que l'odeur s'est un peu dispersée, on va dire, il sent bon et il est voilà, ça fait ça choque pas, quoi. Donc celui-ci, c'est le 234. Si celui-ci vous intéresse, c'est le donc il s'inspire du Neroli Portofino de Tom Ford. Voilà, désolé, ça fait un peu du bruit. Ensuite, on a donc le 496, c'est un de mes préférés aussi. Il s'inspire du Dior Miss Blooming. Ça aussi, celui-ci aussi, c'est. Il sent trop trop bon, trop 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 bon, trop 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 bon. C'est le deuxième que j'en ai acheté un troisième également. Enfin bref, je l'adore, je l'adore celui-ci. Ensuite, donc là ils sont dans leur carton. Alors par contre, je sais plus ce que c'est celui-là. C'est le 063. Alors je ne saurais pas vous dire, j'ai pas marqué le nom. Ils sont super bons aussi. Alors, je vous mettrai dans la vidéo ce que c'est, parce que j'ai oublié de le marquer. Je ne sais plus. En tout cas, ils sont très bons aussi. Ouais, ils sont trop trop bons. J'en ai pour un deuxième là, des fois. Parce qu'il y a des moments où je les commande en double. Non, il m'en reste que deux. Ouais, non, il m'en reste que deux. Donc j'ai pris celui-ci, je vous mettrai de quoi il s'inspire. Parce que là, ben, je ne sais plus, mais en tout cas, sachez que il sent très bon. Celui-ci aussi. Ça, c'est un parfum pour femme. Hein, voilà, vous voyez le bouchon. Ensuite, ben, j'ai repris, vous l'avez vu, le 496. Voilà, c'est ce que je vous dis. Je m'en suis repris un. Puisque l'autre est quasi terminé. Et donc celui-ci. C'est le Mademoiselle Rochas. Alors, il s'inspire du Mademoiselle Rochas. C'est le 497. Le 497. Sent très bon aussi, hein. Je sais plus si j'en ai pas fini. Hein, là. Je vais puer là avec tout ce que j'ai essayé. Il sent très très bon aussi, franchement. C'est des parfums qui, moi, j'adore ces odeurs-là pour l'été, le printemps. C'est des parfums frais. J'aime beaucoup les parfums frais. Donc voilà, le 497 qui s'inspire de Mademoiselle Rochas. Voilà, j'en ai pas d'autres. Donc voilà, je vous rappelle ces petits parfums qui sont très très bien aussi. Si vous en trouvez à Action, franchement, ils sont top.
Également, ces petits parfums. Et puis, vous avez vu toute ma petite collection de parfums Knox. Voilà. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein plein de gros bisous. On est le week-end. Et bien, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye.